C'est wow. Wow. Bon matin, people! Hey, aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire d'Alex et MJ on the go. Pour la première fois, je vais voyager et faire un vlog sans la présence d'MJ. Je vous explique dans pas long. Thank you, merci. Bye bye. Bye. All right. Hello, hello. Bienvenue à Vancouver! Vancouver, British Columbia! Ça, c'est Vincent. Oh, hey, salut! Puis lui, c'est Bigo. Allô? Puis Olivier. Ouais. C'est ça, c'est ouais. Vincent puis Olivier. C'est nous. C'est nous. Ok, on a une voiture? On a un chat, une minivan, Kia Sedona. C'est Kia, fait qu'on va peut-être mourir. Cool, ça c'est bon. Bon, fait qu'est-ce que je fais à Vancouver? C'est qui Vincent? C'est qui Olivier? Tellement de questions, si peu de réponses, fait que je vais vous répondre à 50%. Vincent puis Olivier, c'est deux vedettes franco-ontariennes. Yeah, c'est ça. Des animateurs, improvisateurs, comédiens de chez nous d'Ottawa. En fait, ils ont été mandatés pour venir produire une vidéo ici pour le conseil scolaire francophone. Le quoi de la vidéo, je vais leur laisser la parole tantôt parce que je vais sûrement botcher ça. Mais dans le fond, ils m'ont appelé pour que je vienne tourner cette vidéo-là avec eux. Dans le fond, moi, je veux juste être technicien. Fait que je vais faire de la cam, je vais faire le son et je vais faire le montage aussi. Fait qu'on est ici pour, c'est quoi, deux jours? Trois jours. Puis, ben, c'est ça, MJ est à la maison parce qu'il n'y avait pas de budget pour elle. Je t'aime pareil, MJ. Vous êtes aussi. Eh oui, on t'aime toutes. Fait que dans le fond, je vais vous apporter dans les coulisses de ce tournage-là, ces trois jours-là, pour vous montrer ben, comment ça se passe ici à BC. Fait qu'on vient d'arriver à Squamish et à ma grande surprise, on doit monter en haut, là-dedans, dans l'espèce de grosse gondole. J'ai vraiment hâte. T'avais-tu oublié que j'avais peur des hauteurs? En fait, moi, dans ma tête, Alex Normand était un homme parfait, invincible, et là, je découvre tous tes défauts, Alex. Tu tripes pas bouffe tant que ça, t'as peur des hauteurs, t'es dédaigneux. C'est des belles découvertes qu'on fait. Ok, c'est parti. T'as-tu peur? Ah, ouais. You too? These one too? Is that my pee or yours? We don't know. Yeah. So who's responsible? So you don't like heights either? Oh God, no. She doesn't. So what? Why are you here? Because I brought her. Okay. Yeah. Là, Alex, on est au plus haut présentement. Yo, j'ai tellement mal aux gosses. It's like me. Holy. Yeah. My nipples are a bit tingling. <That's okay. laughs> Wow! Wow! Oui, je pensais que j'avais peur des hauteurs, mais apparemment non. Pas comme toi. T'as pas mal au gosse, toi. High five! Woo! My hand's a little sweaty, though. OK. On a réussi. Oh! J'ai encore mes couilles. Ils sont un peu à l'intérieur de moi, mais je les ai encore. Il y a un pont suspendu. Il faut que je le traverse. Ah, regarde pas en bas. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Excusez-moi. I'm just gonna go through. Yep, thank you. Merci. OK. MJ, je suis sûr qu'elle aurait aimé ça être le live pour témoigner de mon exploit. OK. Je suis arrivé au bout. Ça a bien été. Je l'ai fait, man. Ben oui, tu l'as fait. Putain, marouette. Puis hein? Je t'ai vu, t'as pris ton temps au début, tu t'es pompé, puis boum, tu l'as fait. Tu as regardé la caméra, pas le fond, puis ça a bien été. Bravo! T'évolues, puis c'est beau à voir. Tu vois, j'ai pas juste des défauts. T'en as des qualités. Faut creuser, là, mais ils sont là.
Bon, ben deuxième lieu de tournage terminé. Ça s'est bien passé. J'ai fait vraiment des belles shots là, dans les montagnes. Là, il faut retourner dans la gondole! Yeah! Moi, j'ai aucun désir de voir ce qui se passe. Mais la GoPro, ça, c'est le fun. Check ça comme c'est beau, Alex. C'est beau. Ça, là, tu manques cette beauté naturelle-là. Non, mais je vais le voir après en image. Est-ce que tu as le vertige quand tu le regardes en image après? Non, j'ai pas mal au gosse quand je regarde mon piétage. Mais c'est très beau, c'est très beau. Faut que je le donne à la nature, là. Ils ont fait une bonne job. Ils ont fait une bonne job, ça. Ils ont fait une bonne job, ça. What a day! C'est levé à 4h30 ce matin. Le vol était à 7h. 5h de vol. Décalage horaire de 3h. Un petit 12h de tournage. Et là, on est arrivé, il est 9h PM. Mais c'est comme s'il était minuit à la maison. Je suis fatigué, là. Je suis fatigué. Ouh, c'est cute! Wow! Nice! Lee King! Ça, c'est le fun. Oh, it's Lee King. Une robe de chambre, une autre robe de chambre. Ça va être nice de dormir dans un vrai lit parce que dans notre condo vide, on dort sur nos matelas de sol. Fait que ça va faire du bien d'avoir un vrai matelas pour une fois. Oh, ça va être une belle, ça va être une belle nuit. Cheers! Hey, santé! Santé! Hey, avant qu'on se laisse, Vincent, tout à l'heure on a dit que tu allais nous expliquer c'était quoi le concept de la vidéo, pourquoi on était ici, fait explique-nous ça, s'il vous plaît. Les écoles francophones en Colombie-Britannique sont sous-financées dans le sens que les écoles sont trop petites ou débordent ou il n'y a pas de gymnase, tandis que les écoles anglophones, elles, ont tout ça et ça, c'est pas juste. Donc, le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique traîne le gouvernement en cours, ça s'en va en Cour suprême du Canada. Donc nous, il nous engage, nous, pour expliquer tout ça en vidéo aux francophones du Canada, essayer de rendre ça drôle et amusant et essayer de rallier la population pour qu'elle supporte la cause. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire en 3 minutes. Alright, fait que that's it. Nous autres, on va se laisser là-dessus, on va aller se coucher parce que demain c'est jour 2 du tournage. On va vous amener dans les coulisses de ça aussi. Fait que laissez un like sur la vidéo, sur notre page, si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dis-moi si t'es déjà venu en Colombie-Britannique. Puis si oui, est-ce que tu tripes ou non sur cette province? Est-ce que tu trouves ça beautiful ou non? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! C'est pas normal. Attends, toi, t'as du noir partout ici, man. C'est dégueulasse. OK. Je l'ai vu dans la réflexion. À Pemberton, l'école, c'est juste 3 portatives. La portative, Colin, la directrice. Puis à Whistler, l'école, on n'aime pas son école! Arrête de me frapper! Je vais pas me tirer!